Ah, 20 minutes, c'est calme. Ah, mais c'est pas tout le temps. Après, c'est pas grave. J'adore, c'est génial. Tu sais comment, 20 minutes? Non. Oui, 2 heures. C'est la fin de ce week-end. Tout a un début, tout a une fin. Je voulais déjà vous remercier de nous avoir fait confiance pour cette troisième édition. C'est vrai que nous, on est à la base une petite association étudiante. On a essayé de vivre de notre passion. On essaye de faire partager notre passion avec vous. Pour cette troisième édition, je vais vous annoncer que nous avons accueilli à peu près 2600 personnes. Je voulais vous remercier donc pour votre fidélité, pour la confiance que vous accordez en venant passer vos week-ends de loisirs chez nous, à Dijon. J'aimerais également m'excuser pour les nombreux retards qu'on a eu durant ce week-end. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir un succès aussi énorme. Donc, je pense qu'on saura gérer pour les prochaines fois. Donc, franchement, merci de tout cœur. J'en profite également. Ah, super. J'ai la chance de présenter vous, c'est pas vrai. Voilà, merci. Donc, j'en profite donc pour remercier évidemment l'unité de Dijon qui nous accueille. On peut les remercier. Bien sûr, l'Université de Bourgogne et le Crous qui nous soutiennent depuis le début. On n'aurait évidemment pas pu avoir un événement de cette ampleur sans nos amis de Vidia, d'Europe 2 et d'autres médias qui nous soutiennent. Donc franchement, je vous remercier. C'est un petit peu grâce à eux que vous savez que nous sommes avec vous. J'aimerais également remercier tous les éditeurs qui nous soutiennent, bien sûr. Remercier tous les exposants qui se sont dit tiens sur la loge du Jean-Christien un week-end, qui j'espère ne l'ont pas regretté. Et j'aimerais également adresser un merci tout particulier à l'association des étudiants d'informatique, l'ETIC. Et évidemment, j'aimerais surtout rappeler à tous les membres de l'organisation de l'association dans les arts du manga et d'animation que j'ai eu la chance de présider cette année, ainsi évidemment Cécile, que j'ai été particulièrement fier d'eux au cours de ce week-end. Merci pour eux. Donc, évidemment, bien sûr, remercier toutes nos petites bulles, puisque ça fait 2 ans maintenant que l'association du Japon, que l'association du Japon se dit tiens, si on allait faire des gens pendant le week-end, Teddy, viens nous rejoindre. Au nom de toute l'association, je voulais te remercier. Merci à vous. Voilà. À la base, c'est vous qui vous avez donné marché l'année dernière, parce que ça nous intéressait. Et franchement, on est super contents d'être venus. On regrette vraiment pas le déplacement, d'être tous super, les organes sont super, le public est super. Bref, merci à vous. Merci. Alors, je pense qu'il y a encore un petit truc à dire au niveau de votre tête. Quand? Alors, c'est l'ex. D'accord, ok. Voilà.
Donc je vais ajouter, j'ai pas fait des images qui débarquent des participants dans la salle ou pas. Alors, avec beaucoup de chance, ça sera peut-être quoi. Voilà, le gagnant avec 46 points au total. Je peux dire que le deuxième était à 45, c'était très serré. Et Cédric Guillon. Donc il faut envoyer ses lots. Est-ce que quelqu'un peut faire son membre de venir au moins? Ouais, voilà. Merci très beaucoup et je suis contente d'être venue et je vous aime très bien. Merci, évidemment, je vous cotise si chaque année, ben, je vais raconter la scène. Voilà. Pauline. 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 C'est pas grave. Montre les jolis t-shirts que Dijon c'était qu'on avait bien Pauline. On la Pauline également. Hein. Ah, non, pour moi pas. Mais c'est pas grave, moi je te vois, c'est parfait. Et eux te voient, c'est parfait. Voilà. Donc, cette année, on a eu la chance d'accueillir deux invités qui ont vraiment été super. On a évidemment Soyon, l'auteur de Maléki, qui le pauvre est encore attaché pour quelques minutes à sa table de dédicace. Bientôt parti, j'imagine, de retour à Lille. Également Agnès Giard qui, l'année dernière, est venue vous présenter son ouvrage, L'imaginaire érotique au Japon. C'était très 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 bon, très instructif. Donc merci à eux, je vais pas marquer sur le marché. Lors du festival, on a mis en place plusieurs jeux, plusieurs quiz, plusieurs concours. Certains ont été donc récompensés le moment même. On a néanmoins donc un quiz inédit donc pendant des conventions, tout ça. Le plus détail, bien. Merci.